On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de Domi et Yali. Hein, vous pouvez être quoi? Bah si, mais parce qu'en fait on va faire croire que c'est nous. Ouais, comme ça se voit. Bah. Ouais, c'est possible. Ah, c'est une grosse. Mais non, mais vous l'en faites, c'est une grosse. Non, donnez-nous un exemple, Vas-y, vas-y. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme t'as vu dans le titre de cette vidéo. Non, c'est mon job. Alors, c'est mon job. Bonjour. On espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo de ouf. Une vidéo de ouf. Comme tu l'avais dans le... Aujourd'hui, on est là pour un smoothie challenge. On est là pour un smoothie challenge. Pourquoi tu me suis? Deux secondes. Oui. Bon. Ok, maintenant tout le monde est calme, tout le monde a mon attention. On est des animaux. On va commencer la vidéo par échelon. Vas-y, dis-nous tout. Yanissa. Nous savons que tu es enceinte. Oui. Donc, c'est moi si qui me Attends, mais j'ai un petit creux. Si tu acceptes cette vidéo, tu vas assumer. Il n'y a pas d'excuse. Les sont incroyables. Tu restes jusqu'à la fin. On arrête. Il n'y a pas d'excuse. Oui, je suis enceinte. Blablabla, bla, bla, je ne bois pas, c'est trop hardcore. Vrai ou pas, c'est mais bon, est-ce c'est que bien c'est quoi. C'est vrai. Non, il n'y a pas de choc. Non, ça commence. Il n'y a même pas le smoothie que ça commence. Tu t'as envoyé. Comme tu as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un smoothie challenge hardcore. C'est hardcore. Il y a plein d'ingrédients salés, sucrés, de toutes sortes. Du acide. Ici, j'explique les règles en même temps. Soyez concentrés. Hein, t'es dans les tenues, pose pas des questions. On t'écoute. Vas-y, concentre-toi pour expliquer les règles. Vas-y, j'écoute. Vas-y. On le regarde tous. Ok. Ici, il y a un bocal avec tous les ingrédients qui se trouvent ici. Chacun à notre tour, nous allons piocher dans ce bocal. Par exemple, si je pioche oignon. Les explications commencent mal. Non. Et voilà, pour commencer déjà. Je vais devoir mettre de l'oignon. Sauf que. T'as raté un truc. Avant. Je recommence mon explication. Dans ce bocal, il y a tous les ingrédients qui se trouvent ici. Voilà. Donc papier, ingrédients, tout ici. Vous avez compris jusqu'ici. C'est trop facile si chacun pioche ici. C'est trop facile. Ouais, c'est vrai ça. Pour pimenter ces choses, on va chacun ici avoir une question sur la culture générale. Voilà. Donc, par exemple, si je pose une question à Bradley ici. Bradley, quelle est la capitale de la France? Paris. Bonne réponse. Tu ne pioches pas. Ah ouais? Tu es sur le côté, t'es bien pour l'instant. Si par exemple je dis 2 x 2 x 2 divisé par 4 multiplié par 8, soustraction des 8, quelle est la réponse? Tu pioches. Donc vous avez compris, si tu réponds faux, tu pioches. Si tu réponds bon, tu pioches pas et t'es bien. Maintenant, faut qu'on se mette d'accord sur un nombre d'ingrédients à piocher à chaque fois. 3. Non, c'est petit. 3, c'est petit. Hein. Non, moi, je 5. Un bon 5, c'est bien. C'est bon, tiens. Bien sûr. J'espère que j'ai pioché que des légumes. 4 ou 4. Que des fruits. 4. Non, parce qu'il y a trop de trucs. Ouais, mais j'avoue, ça va aller vite. Parce qu'on est, 4. Vas-y. 4 ingrédients. Déjà, on va mettre les choses au clair. C'est-à-dire que on a pris un questionnaire sur internet, il y a les réponses. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à dire que oui, ça c'était la bonne réponse, je sais pas quoi. Arrêtez-vous. On va passer au challenge. Qui commence? Jason. Bah, je suis plus jeune. Le plus jeune, vas-y, fais comme Uno commence par là. Je suis le plus jeune. Donc, comme vous voyez, on a fait une. On est parti sur internet, on a mis culture générale, on pose des questions et c'est parti. Combien de pâtes peut avoir au maximum le 1000 pâtes? 750, 115, 950, 1350. Sachant que c'est un 1000 pâtes. T'as dit 150, c'est ça? C'est JP. 150, 115. 115. 950. 115. 1350. 115. Tu valides? Je valide. Réponse confirmée. Allez, go! 750. Jure! Allez. Ah, c'est 4. Oui, on 1, 2, 3 et 4. Alors, poireau, j'ai horreur de ça. Oh non. J'ai quoi d'autre? Sauce algérienne. Piment en poudre. Mais wesh, mais c'est quoi ce smoothie? Oh my god. On va commencer par la sauce algérienne, s'il vous plaît, monsieur. On inaugure le blender. Attends, mais le poireau. Je prends le haut ou le bas du poireau, dis-moi. Je sais même pas, je comprends pas. Je sais même pas comment on est. Yanissa, c'est toi qui cuisine, dis-nous le haut ou le bas du poireau qu'on cuisine. Bah normalement, c'est le haut, non? Tu peux manger le tout, hein. Les gens mangent le haut. Je choisis, je veux le milieu, là. Non. Ça peut mettre une base d'eau. Ça c'est bon? La taille, attends, ça suffit? Coupe-le, non? Oui, mais t'inquiète. Non, non, ça suffit pas ça. C'est plus. Attends. Go. Voilà. Abuse pas du bail aussi. Son poireau c'est fait. Roquefort, il est où là? C'est que j'ai déjà envie de vomir. Laisse-moi prendre une petite feuille pour noter à chaque fois qui a bu
combien de trucs. Comme ça, on va voir qui a le plus. Mais encore, t'es timide. Hugo, et pour tout le monde après. T'es timide. Non, mais attendez, c'est bon. Ouais. Il faut les gens aussi. Wesh. Ah, vous voulez qu'il y en ait plus après, hein. C'est ça. Algérienne. Alors, ça. Oh. Ah. Ah, il manque un truc là. Le piment en poudre. Il est ouf. Derrière là. Ça, par contre, pas beaucoup. Je vais mourir. Jason, il a un. Il y a écrit piment fort. Tchoum. Non, mais bref. Non, là, t'abuses. Là, pour elle, t'abuses par contre. Mais tu dois boire. Allez, c'est bon, il y a tout. Dominique, fais-le parce que je. Attends, il y a tout là. Oui, il y a tout. Déjà, on va mettre la lame au maximum. Oui, s'il vous plaît. Speed. Donc, on va mettre la vitesse 5. On, c'est vers le haut. Oh non, l'odeur. Son verre. Il est là. Je peux sentir. Laisse sentir. Ça sent le vomi de bébé. Il doit tout boire. Bah oui. Tout le monde boit tout, hein. Par contre, là, je vais tout boire. Non, tout le monde boit tout. Tu peux pas tout boire. Moi, je peux pas tout boire. Une grosse gorge alors. Non, ouais. Tu bois tout, vas-y, bois tout. Moi, tout le monde va tout boire. Ouais, ouais, vas-y. Et moi, tout le monde va tout boire. Hein. Vas-y. Moi, je ne peux pas tout boire. Je suis enceinte. Mais t'as voulu jouer. Non, mais. 1, 2, 3. Vomi. Vomi. Bois encore. J'ai pris de grosses gorgées là. Mais bois encore. Denis, de l'eau. Mais pourquoi on a fait ce jeu? Mais je regrette. Ça a goût de vomi. Moi, non, c'est lui. À ton tour. Hein? T'es la plus petite? Non, c'est le bordel plus jeune. Celui qui a fait le gage, moi, celui qui lit la question. Je suis octobre 96, ça ou quoi? Je peux la c'est vraiment le deuxième plus jeune. Allez, vas-y, toi. Ah ouais. Oh, bah, t'es dans la merde. Laisse-moi la découverte. Question générale. Écoute bien. Quel bâtiment de Rome est habité par des centaines de chats? Le Panthéon, le Vatican, le Colisée. Un chat? Oui, oh, t'as une chance sur trois, la vie, tu peux réussir. Attends, redis. Quel bâtiment de Rome est habité par des centaines de chats? Le Panthéon, le Vatican, le Colisée. Ils sont guéribles, vraiment. Attends, chat. Le Panthéon, le Vatican, ou le Colisée. Non, mais là, dis oiseau. Il a dit à ton chat, en fait, tu vas trouver le mot chat dans le mot. Voilà mon frère là-bas. Vas-y. Panthéon. Eh ben non. C'est le Colisée. Non. Vas-y. Mais putain. Et vas-y, je pense que tu as bien pioché. Hein. Et de 1. 1. Concombre. Concombre, ça va. Ça passe. Ça va. Pamplemousse. Oh, pamplemousse. Ça va. Ça va. Ça va. Ça, il va se faire un smoothie bien-être. Bien bon. Dis-moi, c'est du Nutella. Jus de citron. Ça va, gros. Limonade. Trop chiant. Tu devrais faire que les derniers soient un peu. Il reste un. Ah, il me reste un. Oui. C'est 5. Non, c'est 4. C'est 4. Ah, c'est 4. Il faut suivre. Eh, Dieu est avec moi, regarde. Dieu est avec moi. Même si en ce moment, je ne prie pas. Gruyère. Ça va, Alex. Ça va. Putain, elle, ça va. Purée. Mets-moi de l'eau, s'il te plaît. J'ai la haine. Pourquoi tu manges toujours un poisson en fait? Tu veux me mettre le gruyère s'il te plaît? Oui, je veux bien. Jason? Mets-lui une bonne portion s'il te plaît de gruyère. Le concombre. Ah là, c'est. Clairement, c'est un smoothie de roi. Voilà. Des concombres, je peux vous les mettre? Ah oui, s'il vous plaît. Ah, attendez. Vous avez pris des concombres en sauce? Ah non, c'est nature. Mais fais doucement avec les concombres de gruyère. Bordel, les concombres. Voilà. Voilà. Jus de citron. Jus de citron, jus de citron. Une pincette de citron. Bah, c'est bon, on peut en prendre. Voilà, ça y est. Ça y est. Oh non, il va être bon. On active le banner. C'est le citron qui va relever tout en fait. Ça va, hein. Ça se boit, hein. Laisse pour voir. Carrément, après, je vais mettre des glaçons. Vas-y, mets des glaçons. Toi, t'as pas rempli comme ça. Tu vas boire de gorgée, gros. Ouais, mes glaçons. Mais attends, écartez-moi. Attends. Qui a mis de l'eau chaude dedans? C'est pas moi. J'ai pas rempli l'eau, c'est Dominique qui a pris l'eau. Il a niqué le smoothie. Ça aurait pu très bien se passer. Je t'ai fait une soupe. Attends, on pourrait mettre deux grosses gorgées, s'il te plaît. Non, d'abord, je goûte un peu. Non, deux grosses gorgées. Oui, mais il va faire deux grosses gorgées, toi.
C'est con. Bon, mec, j'ai plus deux gros verres, j'ai assumé. Va boire. Moi, je sais, je vais vomir si je bois tout. J'apprends pas dit deux gros verres. On a une grosse gorgée. Je pense que ça m'intrigue. J'aimerais vraiment goûter. Goûte un peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. Non. Et vous avez dit c'était bon, hein. Non. Vas-y, bois. Deux grosses gorgées, Bradley. Non, ça m'a donné des frictions dans le dos. Non. Oh non. Quand ça a passé là. T'es que je suis mort. J'en pleure, j'ai chaud. Tu sais que ça compte pas. Ça compte pas. Non, en fait, faut que ça coule. Allez, faut que ça coule au moins là. Non. Bon, allez, on t'attend. Non. T'es défoulé. J'ai fait trop. Ah, en fait, c'est ça, on dirait que tu bois du vomi. Mais j'ai assumé, bon. C'est pas tombé là. Je suis là. Ouais, attends. Je suis enceinte, ils ont même pas pu te regarder mon ventre. Yenissa, on va bien venir. Il est sur téléphone, laissez-moi te dire, renoncer. Non, bon, allez, lis. Comme ouais. Faut la faire payer. Lis, ben, sois drôle. Ah, mais c'est à moi alors. Non, nous, ça l'a dit. Oui, parce qu'elle va perdre. Culture générale. Quelle est la somme de deux faces opposées sur un dé à jouer? Non. 7, 9, ça dépend des faces. Non. Il y a vraiment une réponse. 7, 9, ça. Il y a vraiment une réponse. Mais là, tu donnes un indice. Non. Non. Je vois pas la réponse et je me dis peut-être. Tu veux que je reformule? Chut. Oui, je dis ça. C'était quoi les réponses? 7. 9. Ça dépend des faces. Ok. Alors. Ça l'a dit. Comment ça repère son gars? Il est là. On va peut-être un peu la pression. Tu me démanges. De l'eau froide. Voilà, il est là. Ça sert à rien de mettre du suspense. 7. Oh non. Cool. Non. J'ai la haine. Non, j'ai la haine. Je suis sûr que t'as vu la réponse. Devant Dieu, maintenant, sur la tête de ma fille, j'ai pas regardé les réponses. Mais, devant Dieu, j'ai pas regardé. On s'est trompé, parce que normalement, c'est Domi le plus jeune. Mais alors, j'ai quand même trouvé la bonne réponse. Non, c'est bon. J'ai la haine, là. Voilà, je fais content. Yes. Vas-y, lis pour Domi. Yes. C'est mon bébé. Prochain tour, il va se boire. Tu vas boire, hein, prends pas, vas-y. Tu vas boire. Hein. Laissez-moi à côté de mon mec, s'il vous plaît. Alors, bébé, prends de la chance. Allez, c'est parti. Même vite, oui. Patience. Pourquoi y a-t-il un trou sur les bouchons de stylo Bic? Mais non. Pour que l'encre ne sèche pas, par mesure de sécurité, pour faire des économies de plastique. Moi je sais en plus, j'ai regardé un pour faire des économies de plastique. Non bébé. C'est par sécurité. Ouais voilà c'est ça. Mais c'est connu en plus, c'était sur les réseaux, on le voit souvent. Même si ils disent vous allez dormir moins bête ce soir. Oh non. Vas-y pioche. Tu mélanges. Gruyère. C'est mort. Déjà t'as perdu. C'est mort. Non il est pipé arrivé. Non gruyère c'est mort. Oh moutarde. C'est marrant ma gueule. Et Charlotte. Laisse-moi te le dire le dernier. Haricot vert. Haricot vert. Dominique. Oh Dominique. Haricot vert. Regarde Dominique. On va mettre l'eau déjà pour commencer. Regarde, l'eau est là. C'est de l'eau froide. Voilà. Hop là. Ensuite une pincée de gruyère. C'est ça. Ah d'accord. Et non. Oh, Dieu merci, j'ai trouvé la bonne réponse. Là pour l'instant, avec couvert moutarde, ça va. Gruyère. Tu mélanges.
T'as mis beaucoup. T'as mis beaucoup comme moi. Comme moi. T'as mis une poignée comme moi. Oui, c'est vrai, lui aussi. Comme moi. Allez, échalote, coupe l'échalote en deux. C'est où? Non, Dominique, tout à l'heure, vous m'avez dit même pour, ouais, non, pour le poireau et tout. Non, je veux réellement. Oui, mais dedans. Dominique, t'es mort. Ma macamé, t'es mort. Tu veux sentir? Non, ouais. Je peux pas. Ma macamé, mais Dominique, tu m'as dit que je peux pas. Moi, j'ai assumé. Dis-toi, on dirait de la nourriture de bébé. Tu m'en es? En fait, t'as vu tout à l'heure? T'as vu comment j'ai bu? J'ai pas réfléchi. J'ai pris, j'ai bu. Pince ton nez. En fait, moi, je crois que c'est parce que j'ai trop pensé. Attends. Moi, Dominique, hey, Dominique, plus tu penses, plus ça va être dégueulasse. Moi, j'ai pas réfléchi. Là, prends. Mais pourquoi tu l'as arrêté? Tu fais goûter? Non. Ah vas-y, tu entends vomir toi? Oh non, ça passe. Oh non, ah la chèvre! Oh non, il y a mais ça goûte même quand tu peux goûter. Mais y'a pas à faire ça. Je te jure que je vais goûter. Pourquoi je vais goûter? Mais y'a pas. Tu me pas? Est-ce que t'avais fait l'autre fois? Non! T'as pas fait des pâtes pour. Allez, vas-y. Voilà. J'ai pas pu. Oh non, ça va être bon. Oh non, ça va être bon. Quand ça se rapprochait de moi, j'ai pas. Ah, tu veux dire la sauce verte là? Non, patate, gruyère. Ça a du goût de patate, gruyère. Mais après, c'est que du salé. Moi, j'ai que des ingrédients salés en vrai là. Ça va, on est sûr, ça va. Non, mais ça fout la haine là, si c'est bon. Moi et Brel, on a des trucs. Abuse pas, bon, c'est pas bon. Oh. Derrière. Ah, essaie d'avaler, Dominique. Donc là, y'a que moi qui a bu là. Non, mais là, vous jouez mal. Hein. Vas-y, vous. Là, vous jouez mal. Hein. Mais en fait, tu réfléchis beaucoup. C'est bon? Réfléchis pas. Non, t'as pas bu. Ma macamé, t'as pas fait. Vas-y, cher. T'as même pas, tu t'élèves. Tout ce que tu fais là, après, elle va faire pareil. Elle va dire, oh, je ferai comme Dominique. Ah, alors là, c'est. Tu la connais, wesh. Ne venez pas maison avec commentaire, tu es une mauvaise joueuse. Vous voyez avec qui je suis? Vas-y. C'est bon. C'est quoi cette. Il a même pas bu. Il a touché ses lèvres avec. Mais tranquille, vas-y, parle. C'est pas. Au nom, j'ai bu. Au nom de Dieu, j'ai bu. C'est pas. Si je bois pour lui, tu pourras boire après, toi. Eh, mais alors, tu dois boire les deux gorgées. Non, mais non, là, t'abuses, Alice. Tu bois les deux gorgées. Tout à l'heure, si tu perds, tu bois tout. Attends. Non, je bois deux gorgées. Attends. En vrai, là, quand j'ai bu, ça allait. Je vais reboire. Voilà. Ça, tu pourras rien dire. Vous voulez me finir, en fait. Oui, mais oui. Il va m'éteindre. Mais en fait, imagine ce que t'as fait hier, là, ça passe pas. Je vais vomir. C'est pas grave. Vomis dans le truc. Eh, Dominique, bois. Ouf, grand. Oh. Je peux pas, j'arrive vraiment pas. Il a fait de gorgées. Il a craché. Non, il a essayé. Des trois rois, moi, je. Putain, en plus c'est connu ça. Ouais, ouf. Vas-y, dis les blazes. Ah, tu le sais, tu. Non, mais non. Non, il y a pas de proposition en fait. Jure au nom de nous, tu vas savoir. Bah non. Vas-y. Bref, c'est quoi? Il y a des propositions. Non, mais non. Regarde, cache. Il y a pas de proposition. Oh la tête de ma mère. Je bois, vas-y, c'est bon. Je sais pas. Merci. Essaye. Je parle français, je sais pas. Roi mage là, je les vois. Non, comme... si t'abandonnes. Si j'aurais dit les cadeaux qu'ils ont ramenés, je pourrais te dire. Si t'abandonnes, désolé. Mais les prénoms, non. Si t'abandonnes, c'est bon, on choisit pour toi. Non, attends, c'est pas cette règle. Il a dit bois de déjà. Putain. Eh non, pardon. C'est bon, t'as quoi? Ça pue, hein. J'ai vu. Piment rouge. Oignon rouge. Sauce mexicaine. Mais qui a pioché? Tomate. C'est moi. C'est lui? Wow. T'es mort. Allez, la sauce mexicaine devant toi. Tu vois, c'est ça là? Ouais. Oui, oh, s'il te plaît. T'es mort. Non, vas-y. Non. On a dit. Non, je vais pas mourir. J'aime ça. Je pioche un autre. Vas-y, pioche un. La sauce mexicaine était pourrie. Framboise. Ah, ça va. Ça va. On reste dans le rouge. Je valide. Non, la mais la bouche. Couleur elle est belle, hein. Ouais, je sens que j'avais un bon souci là. Oh non. Ma macamé c'est bon. Ah ouais. Ma macamé c'est bon. Goûte. J'ai jamais goûté. Ouais. Ma macamé, en fait c'est pas dégueulasse. C'est la framboise. C'est chaud. Ma macamé j'ai gagné. Et la framboise et tomate c'est des fruits. Goûte bien. C'est juste que c'est chaud. Je suis bon. L'oignon. Non. Arrête. Alors lui. Question générale. C'est toi. D'où viennent les noms des bouteilles de champagne supérieures au Magnum? À l'exception faite du souverain 26,25 litres et du primate 27 litres. Mais attends, comment c'est pas ça être ça la question. Et la bite one que la réponse c'est un argument. La réponse c'est un texte.
Mais c'est pas normal. Je répète la question. Ah, y a pas de... Ah non, y a pas. D'où viennent les noms de bouteilles de champagne supérieures au Magnum, à l'exception faites du Souverain, 26,25 litres, entre parenthèses, et du Primat, 26 litres. Dis-moi s'il peut, il peut trouver. Fais voir, attends. Ah, t'aurais trouvé, toi? Oh, oh, c'est un truc de ouf. Non, en vrai, c'est pas possible. C'est de l'acharnement. Si vous si, tu sais pourquoi? Vas-y. Il aurait pu, tu sais pourquoi il aurait pu trouver au moins un seul? Souviens-toi, dans les boîtes, les plus grosses bouteilles. Ah! C'est facile? Non, c'est pas facile. Putain, on dirait. Oh. Attends, Ah, oh, oh non! Redis, attends, redis. Vas-y. Redis la question. Oh, redis. D'où viennent les noms des bouteilles de champagne supérieures au, au Magnum, virgule, à l'exception faite du Souverain, entre parenthèses, vers 26. 25 litres. Ok, bon, est-ce que je peux donner des petits mots-clés? Tu peux donner des mots-clés, mais il faut dire d'où vient le nom. Mathusalem. Et okay. Ça pourquoi? Ça vient d'où? Mathusalem parce qu'il était vieux, un truc comme ça. Ok. C'est pas ça. Attends. C'est pas ça. T'as juste à dire un truc et c'est bon. Mathusalem. Pourquoi Mathusalem? D'où vient le nom? Est-ce que lui donne un peu de temps? Parce que voilà. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Non, mais je veux dire, en gros, il a un temps indéfini là. Oui, Mathusalem. Sa longévité. Dis rien du tout. Je m'enfonce là. Attends. Ah oui, tu t'enfonces de ouf. C'était un. Répète la question, Dominique. Répète la question. Sans lire, à l'exception faite du. D'où viennent les noms des bouteilles supérieures. Les bouteilles de champagne supérieures au Magnum. Mais. D'où viennent les noms? Genre, d'où. D'où viennent les noms des bouteilles de champagne? De quoi? Préparez l'eau froide, s'il vous plaît. Attends. D'où viennent? Bon, attendez, je vais laver ça pour lui. Oui, en attendant. Ça vient de la Bible. Ah, sous les noms de la Bible. Mais oui, mais... Les gars, pardon, excusez-moi. Abricot. Pardon. Non. Pardon. Mais il est pris sur les bons trucs. Putain, il m'énerve, oui, merde. Il est chiant. En plus, c'est pas mon craché. Eh, passe-moi ça, je vais essayer en fait. Non, c'est bon, stop. J'aurais aimé. Yeti. J'aurais aimé. Ferme les yeux là. Sauce algérienne. Non. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Juste ça, c'est bon. Yeah. T'as la caisse. C'est mort, c'est bon. Olive. On dirait pas que j'ai fait. Il s'en fout de sa vie. Est-ce que la fin ou quoi? Je valide avec confirmation. Vous pouvez appuyer sur le bouton. C'est mon seul et tout. Oh non. Oh mon dieu, Bradley, t'es dans la merde. Non, non. Mais non. Oh. Et personne t'a demandé de boire tout ça. Non. Pourquoi je compte pas? Tout ça pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Tu vas boire. Mais tu m'as demandé de gorgier, parce que tu m'as demandé de boire tout ça. Mais pourquoi il a demandé de boire tout ça? C'est pas la même. Tu le prouver quoi? Oh non, elle va boire. Deux gorgées, et sur ta bouche. Ah non, tu vas boire tout. Non, 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 la règle c'était deux gorgées. Ton shot de saleté t'as pris là. Je vais pas boire tout ça. C'était comment, Bradley? Mais Bradley, pourquoi? Wow, c'est la haine qui t'a poussé là. Purée. Je valide avec confirmation. Yann Sao suivant. Lequel des rois mages n'a pas donné son nom à une bouteille de champagne? Je m'en rappelle même plus des noms. Yes, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de réponse. Tu es grand. Tu regardes là, il n'y a pas de réponse. Tu es grand. Tu veux qu'il y avait Balthazar, Melchior et Gaspard. Ouais, donc. Et puis, bon, il y en a un qui n'a pas donné son nom à. Ouais. Il y en a un qui n'a pas donné son nom à. C'est une chose sur trois. Non, mais c'est quoi là? Il y en a un qui n'a pas donné son nom à une bouteille de champagne. Ouais. Ah, mais j'en connais deux. Le Gaspard. Est-ce que ça se voit, le Gaspard? Le Balthazar, ça, c'est sûr. Le Balthazar, le Melchior. Moi, le Melchior, et après. Le Gaspard. C'est long. Je commence à rappeler. Ouais, ça fait mal. Il y a les petits liens aussi, bien le phrase. Le Melchior. Quoi? Est-ce que vous validez les confirmations? Vous savez ce qu'a fait Yensa? Elle me regarde, à quoi je vais la sauver. Oh non, Yensa, je te sauve pas. Écoute-moi. Le Melchior, vas-y, j'ai dû m'en répondre. Le Melchior? Ah non, je change. Non, 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 non. J'ai pas validé. Non, non. Attends, il faut valider avec validation.
valide avec confirmation. Bagne. Le Gaspard. Je valide avec confirmation. T'as faux. Okay. Allez, t'as faux. Je veux voir. Non, t'as faux, mais y'a quoi? C'était le Melchior. Je veux voir. C'était le Melchior. Je veux voir. Ok. Le Gaspard. Eh, je sais pas, je me dis, pour un champagne, Gaspard, ça fait pas classe. Mais bah si, mais tu devrais, on devrait te remettre une question parce que... Ouais. Mais comme, mais c'est quoi réponses, le rapport? Parce que la veille, la précédente question, t'as... Ça m'a apporté quoi de savoir les noms? Parce que t'aurais pas su les noms, t'aurais jamais su... Mais qui dit que je connaissais pas déjà les noms? Ah là, mytho. Bah voilà, donc vous pouvez pas savoir. Donc dans tous les cas, j'avais une chance sur trois, j'ai gagné. Enfin... Moi je joue plus. Non. En plus, si ça avait été moi là, j'aurais dit un blaze, je change. J'aurais dit non. Vous avez dit il faut valider la confirmation, c'est tout. Je valide. Au revoir. Comment s'appelait la chienne embarquée à bord de Sputnik 2? Laika. Je l'ai vu, c'est Laika. Laika, Agas, Malika. Ah, j'hésite entre Laika et tu dis valider la confirmation. Merci. Laika ou quoi? Malika. Aga. Malika. Malika ou Laika? Ouais. Ça se finissait par A. Ouais, ça finit tous les trois en A. Laika. Aga. Aga. Malika. Malika. Aga. Laika. Laika. Malika. C'était un truc Aga, comme ça. Aga, je... Aga. Malika. En fait, j'essaie de le bouiller sous esprit là. Tu vois, on peut pas enlever, hein. On peut pas. Laika, Agas ou Malika? Laika. Faut valider, lui. Je valide avec confirmation. Voilà. La vidéo, tu vas voir. C'est bon. Non, t'es bon. T'es déjà elle là. On est un couple intelligent. Mais pourquoi? Y'a comment qui boit? Mais moi j'ai pas bu. On est un couple intelligent. Ouais, mais voilà, j'ai l'aile. Au pays, au bas, let me buy you a drink. I'm a touch you be on me. Jason. Alors, Jason, culture générale. Où se trouve la mer de la tranquillité? Réponse 1, entre les îles de la Polynésie. Réponse 2, au golfe du pôle sud. Réponse 3, sur la lune. Waouh, wow. Sur la lune. Sachant que la planète lune est dans l'espace. La mer de la tranquillité? Oui, la mer de la tranquillité. C'est facile. Au golfe du pôle sud, sur la lune. C'est facile. Non, pas du tout. Il y a la Polynésie aussi, non? Oui. Non, il n'y a pas Polynésie. Ah, si. Non, c'est entre les îles de la Polynésie, au golfe du pôle sud ou sur la lune. La mer de la tranquillité. La mer de la tranquillité. C'est Gandé. Pôle Nord. Pôle Nord. Enfin, tu dis du pôle sud ou pôle Nord? Ouais, pôle sud. Au golfe du pôle sud. Au golfe du pôle sud. Tu valides les confirmations? Confirmation. Où le saladier? C'est sur la lune. Je m'explique, sur la lune. Putain, je me disais, voilà. Laisse-moi expliquer parce qu'ils ne comprennent pas sur la lune. Sur la lune. La mer de la tranquillité est sans doute la mer lunaire la plus célèbre. C'est en effet sur la base de la tranquillité que s'est posé le 21 juillet 1969 l'Aigle, le module lunaire de la mission américaine Apollo 11, menée par les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Buzz Aldrin. Allez. T'as vu ton verre poubelle? Échalote, ça je dois changer. Tiens, jette ça à la poubelle. Oh, mais il a bien dit. Imagine, il boit tout et. Banane, pomme, roquefort, échalote. Ah, sauce mexicaine, bugé. Jason, c'est un trou. Ah, vous, c'est les chats. Oh, je crois que c'est lui qui pue le plus, hein. Quelle phrase célèbre. Oh non. C'est archi. A dit Neil Armstrong dès qu'il a mis le pied sur la lune. La vie, il saura pas. Il saura? Non, parlez. La vie, il sait pas. La tête de la mer, tu sais pas? Dites pas. Est-ce que tu sais? Ah! C'est un petit pas. Attends, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ouais. Vous validez avec confirmation? Avec confirmation. On va serrer la pince. Tu peux danser? Allez. Allez-y. Dans le monde, il y a, Bradley. Dans le monde, il y a 91%, 46%, 33% de femmes analphabètes. De femmes analphabètes dans le monde? Oui. Dans le monde. Attends, relisez la question. Dans le monde, il y a 91%, 46%, 33% de femmes analphabètes. Relisez encore. Dans le monde, il y a 91%, 46%, 33% de femmes analphabètes.
En plus, à la tête de Wam, il y a deux semaines, il y a un reportage sur, sur sa David qui est passé sur ça. Ouais, je... Non, je sais, on l'a vu. Ah non, tu l'as vu? Non. 46%. J'ai envie de la tuer. Non, il y a un truc. J'ai envie de la tuer. Moi, je peux. C'est ça. J'ai envie de la tuer. Voilà. Moi, je plus. C'est pas possible. Je le veux à Péric. C'est pas possible. Je le veux à Péric. Oh non, c'est pas possible. Eh, devant Dieu, j'ai pas lu les réponses. Devant Dieu, je n'ai lu. Ah, vous-même ici, vous savez qu'elle triche. Je triche pas. Je mettez triche pas. Un pouce bleu. Ça triche. Comment j'ai triché? Vas-y, vas-y. Non, je sais pas. C'est trop fluide quand elle dit. Mais comment j'ai triché? Quand elle dit, c'est trop fluide. Écoute. Ma Macamé, ça se trouve que Dominique, il l'aide. Il fait carré de votre. Ah bon, depuis tout à l'heure? Tout à l'heure, c'est son bébé qui est là. Et alors? Mais ils sont balais, mon frère. Bon. Moi, je veux qu'à boire. Comment j'ai triché? Depuis le début, là. Bon, t'es. Vas-y, attends. T'es forte? Hein? T'es forte ou pas? Je refais pas de question. Je refais pas de question. Elle a lu en toi? Ouais, j'étais une challenger. Même là, elle a eu la bonne réponse. Challenger. Bon, Dominique, au Moyen-Âge, on appelait tranchoir un couteau, un tranche de pain. Une tranche de pain par rapport à si tu commences à mal les trucs. Quoi? Vas-y, répète. Au Moyen-Âge, on appelait un tranchoir un couteau, un tranche de pain. Une tranche de pain, pardon. Ouais, une hache. Elle est bien. Oui. Vas-y, je vais lire. Non, lui, il faut que je bois. Au Moyen-Âge, on appelait tranchoir un couteau, une tranche de pain. Non. Une hache. Un couteau, une tranche de pain ou une hache? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait la tranche de pain? En passant. C'est forcément une question piège. Au Moyen-Âge, on appelait tranchoir un couteau, une tranche de pain ou une hache. Tu vas jamais trouver. Mais je sais que tu vas trouver la bonne réponse, ça m'énerve. Mais non. Y'a que moi qui bois après. Non, mais moi le truc. Moi il boit de l'air. Le truc est juste. Je sais pas où je vais m'aider, mais pourquoi y'a tranche de pain? Genre c'est forcément une question. Moi-même j'ai lu la réponse et je sais pas. Bah je mets. Bah ça va, y'a une tranche de pain. C'est ça, c'est ça. Mais il a pas validé les confirmations, faut le laisser valider les confirmations. Allez hop, merci. Comment ça se fait? Il allait pas changer. Ça se trouve, il a dit les têtes. Non, c'est parce que, non, il a dit juste en gros, question pièce, ça savait. Il a vu l'une tout à l'heure, là, non, c'est vrai. En fait, je me suis dit ça. Tout à l'heure, j'ai vu l'une, je me suis dit une question pièce, ils ont fait la même chose. Non, t'es bon, danse un peu. Je vais danser? Vous voulez une danse? C'est parti, fais-moi le son. Non, vas-y, viens, on enchaîne avec lui, vite fait. Ah oui, c'est lui. On s'y attend, on s'y attend. À quel continent appartient la Sierra Leone? L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. La quoi? À quel continent appartient la Sierra Leone? L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Tu peux trouver. Attends, non, putain, j'ai pas lu, moi. À quel continent appartient la Sierra Leone? L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Amérique du Sud, oui. Tu valides? Tu valides avec confiance? Ah, allez. C'est l'Afrique. C'était l'Afrique, je sais pas. L'Afrique. Je sais pas, Sierra Leone. Il y a des trucs qu'on a jamais fait là, un peu là. Vas-y. Bah après, ça c'est. Encore, non, c'est bon. Raisin. Mais tu regardes? Olive. Sauce algérienne. Oh putain. Oignon rouge. Ah! Oh! Une façon. Oh, je sens pas, je vais vomir. Si vous devez être à la pointe, t'attendez. Souvenez-vous, mon ami. Allez, si vous êtes du même coin, tu t'attendais. Je sais pas pourquoi, tu t'attendais. Devant la caméra, s'il vous plaît. Ouais. Une gorgée. Oh. Non, il fait semblant. La tête de ma mère, c'est trop. C'est très mal. Non, il aurait pu sinon. Gros, je vais pas se faire. Comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus? La latérie. Enlève ta main. La terre noire. Enlève ta main. Ou l'herbe. Enlève ta main. Pourquoi il a fait parce quoi? Parce que, Baba Kabe, il y aura pas de triche ici. Enlève ta main, je sais pas ce qu'il faisait. Je vous connais par cœur. Qu'est-ce qu'on faisait? Vas-y, chacun. Comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus? La latérie. La terre noire. L'herbe. Ok. La terre noire. J'aime pas ça. Pourquoi? J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que pourquoi t'appuies sur les mots comme ça? Mais il a appuyé sur tous les mots? J'ai appuyé sur tous les mots? Regarde, elle! Non! Il a appuyé sur les deux lergues. Après, j'ai mis l'ergue. Après, j'ai dit l'ergue. Bon, tu valides avec validation la terre noire? Avec validation. Mais vous êtes sauvé! Le mythe! Attends. On dégage, chiant! Qu'est-ce que la mangrove? Ah, si, c'est facile ça! Okay, vas-y. C'est archi.
archi facile. Comment ça, vous avez des questions faciles? C'est clairement, gros, un animal terrestre, un poisson des mers chaudes, une formation arborescente dans les lagunes. Putain, va jamais boire, les gars. Vas-y, tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter? Qu'est-ce que la mangrove? Un animal terrestre, un poisson des mers chaudes, une formation... Arrête de faire semblant, tu sais, dis la réponse, c'est bon. Une formation arborescente dans les lagunes. Je sais pas. Tu sais vraiment? Non, elle sait, elle est en train de jouer. Laisse voir, moi. Mais je sais très bien, je regarde des trucs tout le temps. Vous avez que des questions faciles et moi, des trucs de ouf. Je sais pas. C'est quoi ça? J'ai la haine. Ah, elle a dit elle sait pas, elle boit. Non, je sais. Non, mais elle sait, elle fait crari. Réponse. Attends, c'est quoi? Attends. C'est là. Non, c'est là. Attends. On sait là, c'est celui-là. Putain, tout le monde sait c'est quoi des mangroves, les gars. Si, c'est celui-là. Attends, montre. Qu'est-ce qu'il y a, mangrove? Tout le monde sait c'est quoi des mangroves. Répète la question. Qu'est-ce qu'il y a, mangrove? Un animal terrestre, un poisson des mers chaudes, une formation arborescente dans les lagunes. Elle sait. Bah, Makame, elle sait. C'est. Réponse C. Attends, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Une formation arborescente dans les lagunes? Réponse C. Non. Vous validez une validation ou... Je valide avec validation. Vous êtes sauvé. Ok, merci. Tu bois. C'était pas ça, c'était le 2. C'était le 2, regarde, B. Mais non, c'est bon, j'ai bon, vous êtes sérieux. Vous êtes sauvé. C'est une blague ou quoi? Ou peut-être un petit beat. Dis-moi pour moi. J'ai jamais bu. On peut revenir sur un événement, s'il vous plaît? J'ai gagné. Ah ouais? J'ai perdu, c'est bon, je l'assume totalement. C'est bon. Elle a triché. J'ai pas triché. Elle a triché. Je n'ai pas triché. Bon, Dominique, dis-nous tout. Vas-y, assume. Non. Mettez dans les commentaires si vous pensez. Avant de finir cette vidéo, sachez que Yannis et moi on a triché et j'ai triché avec Bradley. Une fois, j'ai donné des réponses et elle me donnait des réponses et ainsi de suite. Pas directement. Ok. Donc, vous avez compris, j'étais tout seul contre tous. Non. Voilà pourquoi j'ai perdu. Alors, je vais expliquer. Yes. Vas-y, comment il t'a triché? Les deux premiers tours, j'ai donné les bonnes réponses. Les deux premiers tours, j'ai donné les bonnes réponses. Quand Dominique il est passé, il m'a fait de la peine. Parce qu'il a dit Laïka et après il a voulu changer de réponse. Donc j'étais obligée d'aiguiller. Comment t'as fait? On se met à côté. Jure. Quand vous êtes les trucs là, au moment de répondre, vous, c'est à la torture. C'est pour ça? C'est vrai que toi aussi t'as triché. Regardez, j'ai voulu tricher. Il a voulu tricher avec moi, mais il m'a donné la mauvaise réponse. J'ai eu la haine. Ce bâtard, regarde, il fait ça. C'était Merduc et le dernier c'était la lune. Il me fait deux. T'es vraiment un chien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Désolé si vous étiez déçu à certains moments. Franchement c'est trop. Moi ces trucs là c'est trop horrible. Merci à Jason. Jason, on a beau dire, il a perdu hein. C'est le plus gaillard de nous tous. Soldat. C'est le plus gaillard de nous tous. Elle aussi là. Ah pardon. Et franchement je me suis bien amusé, donc je vous invite à liker, partager, laissez votre commentaire et surtout cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Mais ça c'est qu'on le dit pas assez. Mais dites-le. T'as pas mis la cloche? Non. T'as pas mis la cloche? C'est grave. Mais non. Non. Mais non.